What's up, c'est le groupe NFDO, j'espère que vous allez bien, les petits potes, j'espère que vous allez tranquillement, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, énorme vidéo aujourd'hui, parce que je vais vous parler d'un truc que j'ai trouvé en tombant sur YouTube en fait. Je me promenais sur YouTube, tu vois, pour voir un petit peu des trucs qui font un petit peu flipper, tout ça, et je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Life of Luxury. En français ça veut dire la vie de luxe. Bref, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Life of Luxury, il y a deux youtubeurs qui font des vidéos. Ces deux youtubeurs là ont reçu un mail d'une mère qui a un gros problème avec son fils. Il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut, on va tout voir ensemble dans cette vidéo, ça va être énorme. Et c'est beaucoup trop flippant. Mais bref, on va parler de tout ça, t'inquiète pas. Aujourd'hui cette vidéo, elle est folle. Donc avant de commencer la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour péter la barre de likes, vous me l'explosez. On va dire qu'on se donne un objectif de 20 000 likes. On se donne un objectif de 20 000 likes. Il y a 20 000 pouces bleus. Je vous parlerai d'un truc que j'ai trouvé qui est hyper bizarre. Bref, abonne-toi à ma chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. N'oublie pas de me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Bref, c'est parti, let's go aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau thread. Ça commence avec un mail. Il y a une mère du coup qui s'appelle Candice, si je dis pas de conneries. Cette mère là elle envoie un mail aux deux personnes du coup de la chaîne Life of Luxury, donc à Parker et Chester. Et dans ce mail elle leur explique qu'elle a un gros problème avec son fils. Donc avant de continuer, Life of Luxury c'est une chaîne YouTube où du coup il y a Parker et Lester, donc deux youtubeurs qui font des vidéos où ils font en fait des investigations, des enquêtes sur des personnes qui les contactent parce qu'ils ont des problèmes bizarres, paranormaux, tout ça. Et eux ils vont sur les lieux pour voir ce qui se passe en fait. Dormir là-bas, bref, c'est grave stylé. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Non. J'allais pas te dire t'abonner à... tu t'abonnes à moi, voilà. Du coup, vous l'avez compris, cette mère, elle envoie ce mail à Parker et Chester pour qu'ils viennent pour faire une enquête. Et dans le mail, du coup, qu'elle envoie à Parker et Chester, elle leur dit qu'elle a un problème, comme je vous l'ai dit, avec son fils. Que tout ça dure depuis que le père est mort, donc le père du fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voulais faire une blague, mais voilà. Jésus, la la la. Dans le mail, du coup, la mère continue à expliquer que le jour de la mort de son père, le fils est parti dans la forêt, donc il s'est enfui pendant 3 jours. Il peut se passer beaucoup de choses pendant 3 jours dans une forêt, mec. C'est beaucoup trop flippant en fait. Mais elle explique que à son retour, du coup, le fils, déjà, il n'est pas passé par la porte d'entrée, il est passé par la fenêtre de sa chambre. Donc déjà là, c'est bizarre. Et quand il est revenu, il n'était plus le même. C'est-à-dire que physiquement, il avait changé et il était revenu avec un masque sur le visage qu'il refuse de retirer depuis qu'il est revenu. Ce truc là, ça sent trop la merde. Donc si pour l'instant tu kiffes, mets un pouce bleu mec, mets un like. Après tout ça du coup, Life of Luxury, donc les deux youtubeurs décident de se rendre du coup à la maison pour voir comment on voit le fils. Donc le fils s'appelle Tommy, j'ai oublié de vous le dire. Le fils s'appelle Tommy. Les deux youtubeurs vont du coup chez la mère pour voir comment va Tommy, filmer tout ça et voir s'ils peuvent pas améliorer la situation. Et en fait dès le départ, dès qu'ils arrivent devant chez la mère, il y a un truc qui cloche, ça sent pas bon du tout en fait. Ils toquent tout ça donc chez la mère, elle ouvre la porte. Et là en fait t'as l'impression que c'est pas le fils qui a un problème mais la mère en fait. Genre vraiment, la mère ne va pas bien. Hi, you emailed us about your son. We told you we were coming tonight. Okay. We can come in, right? Okay. Okay. Je sais pas, c'est... Elle a l'air amaigrie, c'est trop bizarre comme délai. Ils demandent s'ils peuvent rentrer, donc la mère leur dit bien sûr rentrer, tout ça. Et c'est là que du coup la mère explique tout ce qui se passe et qu'elle ne va pas bien du tout en fait. Ok, Candice, thank you for letting us sit down with you. Can you give us more details about what's going on with your son? My son, it's my fault. I should have done something sooner. So you told us in the email you sent us that, you know, he's been acting really strange. Can you go into that more? He's still my boy. He just doesn't talk to me anymore. Donc ce qui se passe c'est que la mère dit que c'est de sa faute parce qu'elle a pas fait les choses à temps, parce qu'elle a fait n'importe quoi. C'est bizarre. Chester et Parker décident d'aller dans la chambre de Tommy et c'est beaucoup trop flippant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous laisse regarder. Hi, Tommy? My name is Parker, I'm friends with your mom. She invited me here to talk to you to make sure you're okay. Are you feeling all right? Your mom's been worried about the way you've been acting. Tommy? Do you think you could turn around so we could talk face to face? Là normalement, si t'es un être humain normal, tu
tu te gasses, j'arrive même pas à parler. Tu te casses normalement. Là, il faut partir. Mais Parker et Chester décident de rester parce qu'ils n'ont pas peur. Et ils vont carrément passer la nuit dans la maison pour voir ce qui se passe. Les deux youtubeurs se retrouvent dans la douche du coup pour discuter de tout ce qui vient de leur arriver en fait, parce qu'ils comprennent pas trop. Ils sont venus là pour faire une investigation genre normale sans qu'il y ait des trucs extrêmement bizarres. Et il y en a un des deux qui veut carrément se barrer parce que c'est beaucoup trop chelou en fait comme truc, tu vois, c'est creepy de ouf. Bref, ils installent du coup des caméras dans les deux chambres, donc la chambre de la mère et la chambre de Tommy. Et en rentrant dans la chambre de Tommy, ils découvrent un truc super bizarre en fait. Meat or something here. Dude, don't mess with that. Dude, what's the problem? Dude just moved. The meat just moved, bro. Il y a une assiette avec de la bouffe dedans, sauf que sur la bouffe, il y a un truc visqueux bizarre en fait. Les deux youtubeurs informent Candice, donc la mère, qu'ils ont mis des caméras un peu partout dans la chambre et un peu partout dans la maison, voilà, pour surveiller ce qui va se passer. Et la mère, elle dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée. What the fuck? Et elle commence à chialer. Ok, Candice, Chester et I are gonna do our best. Tout ça est beaucoup trop flippant. C'est... Mec, c'est quoi ce bordel? Bref, les deux youtubeurs décident qu'il est temps d'aller dormir, donc ils vont dormir. Et c'est là que les choses bizarres commencent. Les caméras de surveillance continuent à tourner pendant la nuit. Et c'est là que le pire va arriver. Mais vraiment. Et ça commence par la chambre de Tommy. Il se passe des trucs beaucoup trop bizarres. Il mange un truc bizarre et bizarrement. Genre, chez. Tu sais, genre, les mouvements sont vachement saccadés. Genre, c'est en mode. Tu sais, c'est hyper. Même moi, là, je viens de le faire. J'ai regardé le retour, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que là, je regarde mon couloir, tu vois. Beaucoup trop flippant. Tommy sort de sa chambre pendant la nuit et il décide d'aller dans la chambre de sa mère et regarder ce qui se passe. C'est l'heure de se réveiller. Et c'est l'heure de se lever. Je sais pas ce qu'on va trouver. C'est clairement ce qu'ils ont dû se dire le matin, franchement. Ils se lèvent, ils décident d'aller dans la chambre de Candice pour voir si elle a bien dormi, tout ça. Et elle répond pas. Candice, it's time to wake up. Come again. Ils rentrent dans la chambre et là ils s'aperçoivent qu'il s'est passé un truc pendant la nuit. Are you okay? No, it's Chester. We need to get up. It's morning. Oh my god. My leg's tight. Parker! What's the problem? Dude! Candice, what's wrong? Her legs aren't working. Candice, are you okay? There's something wrong with her, dude. There's this black mark on her back. Are you okay? Après tout ça, ils décident de tous aller dans le salon pour voir ce qui s'est passé dans les caméras de surveillance. Et en fait, ils se rendent compte que ça part vraiment en couille pendant la nuit. Que Tommy, pendant la nuit, il sort un truc chelou de sa bouche, frère. Et il fait des trucs bizarres avec sa mère. C'est bizarre quand je l'ai dit comme ça. Hein. C'est... Voilà, on s'imagine des trucs, mais bref, c'est hyper flippant. Il y a même la mère qui pleure parce que elle voit que ça part en couille pendant la nuit. Et même quand elle voit ça dans les caméras de surveillance, elle dit non, mais c'est mon fils, vous comprenez pas, il faut le laisser. Il y a Parker et Chester qui lui disent qu'il faut appeler la police parce que ce qui se passe, c'est pas normal du tout. Elle leur dit que non, que c'est son fils, qu'il faut l'aider. Beaucoup trop flippant et creepy cette histoire, mais c'est pas fini. La deuxième nuit qu'ils passent dans la maison, ils décident cette fois-ci de renforcer la porte de la chambre de la mère pour que Tommy ne puisse pas y rentrer. En gros, ils protègent la mère, quoi, tu vois. C'est l'heure de dormir, ils s'endorment tous. Et comme vous l'aurez compris, bien sûr, mes habibti, la nuit ne se passera pas comme prévu.
Il va encore se passer un autre truc, encore plus flippant que la nuit dernière. Tommy se réveille, encore une fois, et va en direction de la chambre de sa mère. Sauf que là, vous allez me dire, oui, madame, ils ont mis une chaise. Du coup, il pourra pas rentrer parce qu'on a fait le renforcement, on a mis le double vitrage et tout, donc normalement, on peut pas rentrer, c'est du solide. J'ai fait faire ça par un pote portugais. Arrête tes conneries. Pour moi, c'est là vraiment le moment le plus flippant de toute la vidéo parce qu'en fait, t'as Tommy qui est dans le couloir, qui voit qu'il ne peut pas ouvrir la chambre, enfin la porte de la chambre de sa mère, et il va littéralement mettre des coups de tête dans la porte de la chambre de sa mère et péter la porte. Yo, wake up! What? Dude, something's breaking! What? Something's breaking, bro! Il va péter la porte, le mec. Il va péter. Ça va péter. C'est vraiment un truc de malade. Cette vidéo, c'est un truc de fou. Après cette vidéo, du coup, de ce que j'ai compris, les deux youtubeurs ont décidé de se barrer. Pour eux, en gros, c'était terminé, tu vois. Quelques temps plus tard, ils ont décidé de contacter la sœur de Candice, donc de la mère, sur Facebook. Et ils ont appris que les deux ont disparu. Et qu'apparemment, Candice serait morte il y a un an. Beaucoup trop. Flippante. Les gens, dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette histoire dans les commentaires. Dites-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. C'est super important, je lirai tous vos commentaires, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des théories sur tout ça aussi, n'oubliez pas de me les dire dans les commentaires sur pourquoi le fils, par exemple, Tommy, il a changé physiquement et tout ça. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On se donne un objectif de 20 000 likes. Je compte sur vous. 20 000 pouces bleus sur cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, vraiment. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et qui fait laver? Putain, le cheveu là depuis tout à l'heure, il me casse les couilles, il me fait chier.